Dialogue politique. Déjà des éléments de blocage. Titre en manchette ce mercredi 17 juillet. Matin libre. En prélude au dialogue politique national promis par le chef de l'État lors de son message à la nation le 20 mai dernier, Patrice Talon a rencontré ce 16 juillet les partis politiques qui n'ont pas pu obtenir leur certificat de conformité lors des législatives du 28 avril 2019. Outre le parti Restaurer l'Espoir qui a décliné l'offre, des représentants de 10 partis politiques ont répondu à l'appel. Du côté de l'opposition, il y avait l'USL, le PCB et le FCBE, rapporte le quotidien Matin Libre. Avant ce conclave, l'opposition a dressé la liste des préalables au nombre desquels la reprise des élections législatives du 28 avril, le retour des exilés, la libération des prisonniers politiques, la lumière sur les personnes décédées lors des affrontements meurtriers de Cotonou, Tchaourou et Savé. Il s'agit en fait des questions qui fâchent et sur lesquelles Patrice Talon doit se prononcer avant toute négociation, souligne mon confrère Mike Mawena. Toujours à la une de Matin Libre, on peut lire deuxième édition du Festifa. Les couples mariés à l'honneur nous informe le premier journal disponible dès 7h en kiosque à Cotonou et à Parakou. Cette deuxième édition du Festival international des familles, Festifa, organisée par la structure Love Power, revient en force pour fortifier l'amour divin au sein des couples, les familles et dans la société. La cérémonie commémorative sera lancée à partir du 6 septembre 2019 et les manifestations se dérouleront jusqu'au 8 du même mois à Majestic de Kadjeon. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2022, le Bénin directement en phase de poule. Le tirage au sort des éliminatoires de la zone Afrique aura lieu samedi 27 juillet prochain. À cet effet, la FIFA a dévoilé le mode éliminatoire qui se fera en 3 phases. Selon le journal Matin Libre, le Bénin est donc exempté du premier tour préliminaire qui regroupe les 28 équipes africaines les moins bien classées au classement FIFA.